Et voilà, salut, au revoir tout le monde, on se retrouve sur Imworld pour la suite de nos aventures avec Metal Skin, Rick, Squash Junior et Rafty. On est toujours en train de fabriquer du moot. Voilà, il va remplir les barils ici. C'est rempli à fond. Baril suivant. Donc nos premières bières sont en train d'être fabriquées. Après, dans 5 jours, 6 jours. Ok, après, est-ce qu'il faut les mettre en bouteille et tout? Alors, crise de colère hein, pour Rafty. Rafty qui est en train de nous défoncer les meubles et les murs. Super. On a vraiment tout défoncé dans la pièce. Il ne s'arrête plus. On va devoir reconstruire une table de chevet. Quoi d'autre? Le radiateur, non? La lampe. Casse tout dans ma piole. Ah, c'est un peu dommage. Tiens, Rafty, on peut te filer le gilet pare-balles en passant. Il s'est levé pour aller manger. Il va retourner dormir probablement. Il a besoin de dormir et de se faire plaisir. Là, il est en relaxation sociale au comptoir. Ah non, finalement il décide d'aller bosser dans les champs. Ouais, vite fait. Metal Skin, il en est où lui? En train de péter un câble dehors. Et Squash lui continue avec ça. On va dépouiller l'endroit hein, de toute façon. Des visiteurs. Sont combien? Il y en a 3. Ça nous fera au moins 30 balles. Attends, Squash. S'il te plaît, tu pars pas les mains vides. Du bois, on a 75. Alors, en tant qu'artiste souffrant de torture, Metal Skin a connu une inspiration. Oui, ok. On va regarder les assignations.
Attendez. Une boisson par jour. Hein. Voilà. Et créatif, hein. Planifié. Non, c'est pas tous les jours. Voilà, tous les 3 jours, vous avez droit à une bière. Seulement si l'humeur est en dessous de 50%. Ah oui, non. Pour les addictions. Voilà, on leur autorise donc une bière tous les 3 jours. Parce qu'il faudrait pas qu'ils tapent dans les stocks en fait. Là c'est bientôt prêt, non? Ah bah non. 4 jours encore. Alors, on a 30 balles qui traînent par terre. Tiens, Berafti, tu veux pas continuer ça en fait? Alors, une nouvelle quête active. Mendiant, ils veulent de quoi? Ils ont besoin de médicaments. Ah non. Cassez où? Pas comment on peut prioriser le fait qu'il utilise ça du coup. Vitesse de travail 100%. Ah oui, c'est vrai qu'on pourrait leur ajouter. C'est pas dans les productions, c'est dans les divers. Tablier de cuisinier. Non, ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, on n'a rien pour accélérer ce truc-là. Il y a plein de bois qui traînent qu'on a découpé. Ce serait bien qu'à un moment ils aillent le chercher. Metalskin a bientôt fini de tout replanter. Tout seul. Bon, vas-y, qu'est-ce qu'ils veulent là? Non, attends. Attends. Ah, ils veulent des herbes médicinales. Là. Ouais, si, vas-y. On en a 25. Allez, les clodos, barrez-vous de là. Avec vos herbes.
serait bien qu'ils finissent la moquette quand même dans les chambres. J'en ai un peu marre de ces carrés là. Ouais les gars. Non. Pas chaud pour éteindre le feu. C'est les médocs qui traînent par terre. Oui. Ok. Tiens, Metal Skin, tu vas ramasser ça, s'il te plaît. Ok, bah il a tout ramassé dans les chambres, c'est très bien. C'est bien plus que ce qu'on demandait. Il est en train de stocker sur les palettes là. C'est un rafti, éventuellement tu peux récupérer le truc. Quoique, attendez. Biotech, pour l'instant on peut pas faire grand chose, il nous manque une recherche. Ils nous ont laissé 4 diamants, bah merci. Squash il s'est équipé du truc, ok. Est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait faire les recherches là? Chercheur c'est Rafty. On va te mettre en 1 sur les recherches. On va tous les mettre en 1 sur la recherche parce que... ce serait pas mal d'avancer. Et éventuellement, si on pouvait lancer la recherche pour les robots, ce serait pas plus mal. C'est où ? Mech Tech basique. Pour ça, il nous faut quoi ? 200 ? Ah, c'est trop rapide. À la condition de le faire, mais... bon, qu'est-ce qu'ils font là? Attends. Transporte ça, s'il te plaît. Metal Skin, du coup si tu peux... non, tu veux pas t'en occuper. Parce qu'on peut mettre du miel là-dedans. On en a récupéré. Menu de recherche fait fortement penser à civilisation. Bon, c'est un arbre de recherche classique, mais... effectivement, c'est du même genre. Après, c'est pas les mêmes types de recherche. Là, par exemple, on va avoir les armures de commando, les armures de reconnaissance, etc. Quand t'as plein de recherches, tu peux avoir du médical, tu peux avoir de l'agriculture et autres. Là, en l'occurrence, ce que j'aimerais, c'est que... ah, une capsule de sauvetage. Alors, attendez, Michel, il s'est écrasé, là. Michel, il est mort dans 5 heures. Est-ce qu'on peut le sauver? Rafty, tu pourrais secourir, machin. On va pas le capturer, parce que c'est pas notre délire, là. Là, ce qu'on veut, c'est s'entendre bien avec les gens, pour qu'ils viennent chez nous, louer des lits. Et si on peut le soigner... et qui se barre content, ce sera très bien. Personne veut le soigner là? Attendez.
squash. Achevé, priorisé, soigne en urgence. Mort dans 4 heures. Mort dans 8 heures. Bon, sauvé. Voilà, un moment où Winnie va se relever, se barrer, et puis on s'entendra mieux avec sa faction. Quelle est sa faction d'ailleurs ? Aucune idée. Voilà, on voit sa faction. C'est vrai qu'on peut faire de la génétique aussi, leur piquer les gènes et puis faire du clonage. Et puis, bon, il y a plein de trucs à faire. Nouveaux amoureux. Squash et Metal Skin. Incroyable. Alors, Squash veut faire un festival. Vas-y. Ah, tu peux pas faire ça. Ah non, tu voulais un festin, pardon. Je sais pas si c'est possible. Commencer un discours de chef, vous devez avoir le rôle de chef. Les nouveaux amoureux, Rick et Rafty. Incroyable. Un groupe de voyageurs passe dans les environs. Ils ont rien à vendre. Bon, ils sont en train de glander à fond, là. Ça papote, ça papote. Ça resserre les liens des colons. Winnie a récupéré et décide de partir. T'as l'air très motivé pour partir. Oui. Effectivement. Alors attendez, on a un petit. On va remettre hop, la musique. Prépare une manif, on n'a pas de salaire. Vous n'avez pas besoin de salaire. Ça y est, on a donné naissance. Un petit agneau. Non mais ils font leur petite soirée échangiste là. Alors... Un groupe de voyageurs encore passe ici, c'est cool, mais si vous arrêtez pas dans la taverne... Salut à toi Kinkageek, bienvenue sur le live, comment vas-tu aujourd'hui? Voilà, c'est à toi qu'on filera le personnage. Quand Rick va s'en aller, un autre va arriver. Écoute, ça va pas mal. Et tout le monde est parti dormir. Une petite matinée Rimworld, mais je pense qu'on fera soit en fin d'après-midi, soit ce soir la suite de Solasta, les reviews du Mapping Contest. Voilà, le petit agneau qui découvre les champs, hein, il fait sa vie.
Allez, encore en gestation, incroyable. Et c'est parti, la production d'agneaux est lancée. Ah oui, on n'a plus de cuisiniers vraiment attitrés là. Tiens, toi, tu pourrais peut-être nous faire un peu de cuisine. Là. Qu'ils puissent manger des plats cuits et non pas du riz cru. Ouais, un peu meilleur. Ce qu'est en train de faire Rafti, hein, c'est récupérer les produits crus de ce frigo là, les cuisiner et ramener ici dans l'autre frigo les produits cuisinés. Colon non enterré. Ah oui. Ça fait un moment qu'il n'est pas enterré. Attends, on va faire une autre tombe. Ah, ça y est. Metal skin, s'il te plaît. Je crois qu'il avait été enterré, mais pas du tout. Attends, tu pourrais aller enterrer, non? Hop, il est où, il est là? Priorisé, enfoui. Ça, on va récupérer. Attendez, il y avait du métal là. Ah oui, c'est ici. C'est ici. Squash toujours en train de miner. Tellement de métal qui traîne, il faudra la ramener. Tiens, Metal Skin, tu pourrais pas en ramener un. Là, il y a un truc qui s'est écrasé. Oui, il y a des bouts de vaisseau qui se sont écrasés. Une chance, c'est pas tombé chez nous. On ramène un peu de métal à la maison. On en est où du métal? 618 en réserve. 747 maintenant. Donc on a de quoi construire ça, mais le problème c'est qu'on n'a pas de constructeur suffisamment qualifié pour faire notre centrale géothermique. Au niveau des plats, on est bon. Donc, je vais demander à Rafti de continuer de brasser. D'ailleurs, tiens, est-ce que tu peux pas faire ça? Je comprends pas pourquoi il veut pas mettre son miel là-dedans. Ah, raw honey. Alors, il faudrait peut-être. Il faudrait peut-être ça en boucle. Hop.
attendre qu'il ait fini avec celui-là. Capsule de sauvetage. Alors, Josiane s'est écrasée près de chez nous. Pendant 4 heures. Ouais, bah squash, tu peux sauver. On va essayer. Hein. On sert d'hôpital de guerre là. Squash, t'es en train de soigner? Oui. Mort dans 2 heures. C'est bon, mort dans 3 heures. Ça, tu vas pas le faire avant. Ah, il faut 25 000. On n'a que 5. On va peut-être demander à Metal Skin. Ah. Feralisk a pris en chasse Rafti pour se nourrir. Rafti, il est là. Où est-ce qu'on peut se mettre? Il sert à rien. Il nous manque squash. Rafti qui tire les flèches à côté là. Super. Ok, ouf. Metal Skin blessé. Blessé, c'est que des contusions, ça va aller. Du coup, est-ce que tu voudrais pas, par exemple, pourquoi pas réparer la commode? Mais éventuellement... Compétence en construction trop faible. Ah, c'est à squash de faire ça? Compétence en construction trop faible. Ah mince, ils peuvent pas faire la moquette non plus. Incroyable. Il va falloir leur demander de construire d'autres trucs ou de détruire d'autres trucs pour apprendre. Bon, on va continuer de miner déjà. Hop, hop, hop. Il faudrait qu'on ait plein de bois en réserve pour leur demander de construire des chaises ou je sais pas quoi qu'on puisse vendre après. En boucle tout en... Ah non, on pourrait leur demander d'aplanir aussi quelque chose. En général, ça fonctionne bien ça. Machin est plus incapable de marcher, c'est très bien. On pourrait leur demander d'aplanir le bord de ça. Et ça les ferait progresser en construction. Tout en servant absolument à rien. Ce qu'on pourrait demander aussi, c'est d'aplanir ici peut-être le sol. Si on aplanit ça par exemple, on peut pas aplanir là.
Ok. Et là non plus. Ah. Bon bah tant pis, hein. On va pas aplanir. Le sol du jardin. Metal skin. Aplanis donc la zone. Voilà. Et là, ce qui va se passer, c'est que bah, du coup, il va apprendre la construction. Là, on le voit, progression vers le prochain niveau, 2100 sur 3000. Donc, on va lui demander qu'il fasse ça jusqu'à ce qu'il atteigne le niveau 8. Ça peut être un peu long. Mais il finira bien par... Sauf s'il se barre entre temps. Tiens, d'ailleurs, Rafti, tu veux pas, pas dépecer les bestioles. Il va aller chercher les cadavres pour les découper en morceaux. Nouvelle quête. Machin vous contacte par radio et vous supplie de l'aider, non. Cassez-vous. Faudrait nettoyer sa chambre aussi à lui. Tiens, Rafti nous fait du nettoyage là, tu veux pas nettoyer ça? Et genre nettoyer le couloir là. Ouais. Il y a encore beaucoup à faire. Et donc, si quelqu'un daignait s'occuper des recherches, pour l'instant, on cherchait à prendre les matériaux stériles. Ce qu'il faudra faire après, c'est apprendre ça. Besoin d'un colon mécanitor, ah oui. Pour l'instant, on n'a pas. Alors, Squash, il n'est pas mécanitor, mais il a le... Il a ça. C'est Metal Skin qui a le fusil. Il y a un revolver là. Ah oui, la carabine elle est là. Il l'a posé où? Il était là rangé? J'ai vu où il l'avait posé. On a perdu le fusil. Alors attendez. On va autoriser. Ah, c'est là-bas. Non, ça c'est un vieux cadavre. Une autre capsule de sauvetage. Et les gens nous envoient mort dans 7 heures.
Hop, hop. On a bientôt fini de dégommer tout le métal qu'il y avait là. Je sais pas où il est passé ce fusil. Hein. Un jour on va retomber dessus. Maladie infection. Bon, c'est pas notre personnage. Quelque part, on s'en fout. Rafty, nettoie le jardin. Bah, ok, tant mieux. Qu'est-ce que c'est ? La navette. Ah, c'est la navette de Rick. Ah, tiens, vas-y, Rick, casse-toi. S'il te plaît. Allez, la navette. Hop. Et normalement, on a un nouveau qui est arrivé. Manjou, voilà, qu'on va pouvoir offrir à Quinca Geek. Hop. Voilà, bienvenue dans l'équipe. On va lui mettre ses priorités de travail. Geôlier hôte. Si tu peux nous faire la recherche en priorité, ce serait cool. Y va. Enfin, on va pouvoir débloquer un peu la situation. On va peut-être lui donner des armes quand même. Tiens. Il a récupéré le glaive. Alors, les étrangers machins s'en vont, ils ont laissé un cadeau, 4 médicaments avancés, merci. Un cobaye a été apprivoisé. Ah, le cobaye, je suis désolé, mais tu vas finir en steak. Hein. Mode 25 a pourri dans le stockage. Oh là, alors attends. Alors attendez. Une gazelle. Ah, heureusement qu'un Kagik a le glaive. Ah, ben tant pis. Qui vient de se faire éclater. Ah, c'est bon. C'est bon, la gazelle s'est pris le piège. Donc on va secourir Quinca Geek. Récupérer ça. Allez, les chevaux se moquent de Quinca Geek. On va achever la gazelle. Ok, et comme ça on va peut-être pouvoir la bouffer. C'est là. Bon, et ce fusil, je sais pas où il est passé. Décidément. C'est un peu embêtant parce que ça nous aurait été quand même bien utile. Plutôt que de se battre avec des glaives en bois. Quinca Geek n'est plus incapable de marcher, très bien. Pas mal de composants. Malade, infection. Ah, c'est Quinca Geek. Vite. Tu veux pas le soigner là ? Soigne déjà. Ah, ok. Non, Quinca Geek, tu restes là s'il te plaît.
On veut pas que tu le dragues, on veut que tu le soignes. Oh là là. Comme il est pas couché, l'autre il peut pas le soigner. Et du coup l'infection progresse. C'est bon. Dépêchez-vous. Alors, l'infection 12%, immunité pour l'instant 11, mais on a un bon soin à 75%. Un raid, c'est pas du tout le moment les gars, ils sont deux cette fois. Deux avec des couteaux, c'est des Wookiees qui nous attaquent. Bien. Ah mais il est là le fusil, purée, on l'a cherché partout. Vas-y viens ici. Toi tu vas venir là. Toi tu vas venir là. Ils nous attaquent immédiatement non? Non ils sont là, ils traînent. C'est pas grave, on va attendre derrière le piège, sagement. Metal skin avec l'armure. Tête de fil. Ça y est, c'est parti. Oh, tire la tête. Ouf. Je sais pas ce qu'il allait faire, mais il était bien parti. Lui, il passe entre les balles. Il a évité le piège. Mince. Il a couché Metal Skin. Oh, corps à corps, c'est des brutes, hein. Ok. Ouf. Alors, attends, squash. Squash, priorité. Squash, il est mort dans 5 heures. Donc, vite, prioriser. Tu te soignes et Metal Skin, il est mort dans 15 heures. Donc, on va faire l'aller-retour. S'il vous plaît, squash, tu te dépêches. Toi, tu peux soigner peut-être. Vas-y, secours. Qui est mort? Ah, c'était le gars qu'on a essayé de sauver. Mais il nous a suivis. Quel enfoiré. Et qu'un Kagik s'était relevé. Il lui a mis un coup de glaive. Tu pourrais le capturer, non? Vas-y, laisse-le crever. Oh, quoique. Quoique, il est mort en 17 heures. Non, on va le laisser crever. Qu'est-ce que vous faites là? Un Kagi qui fait quoi? Il est déjà en train de se soigner. Ah. Il faut soigner tout le monde. On était bien et c'est reparti en sucette très vite sur un raid. Squash est en train de se soigner. Pas de problème, il s'est sauvé. C'est bon. Et Metal Skin, il en est où? Ça va aller aussi. Kagik, ça va aller. On a beaucoup d'avance sur l'infection. 50% d'immunité, 40% d'infection. Quel talent. C'est clair que si Kagik s'était pas relevé là, ça aurait été terrible. Météorite s'est écrasé. C'est du quartz.
Ok. On prend. Tant que c'est à côté de chez nous. Qu'est-ce qui est tombé là? De l'ambroisie. Enfin, c'est pas tombé, mais c'est. On a une bière qui traîne au sol. Un revolver, un couteau. Peut-être on peut demander à Rafty de récupérer tout ça. Voilà, l'ambroisie, hop, on n'y touche pas. Rafty, éventuellement, tu peux prendre le fusil, toi. Rafty qui se fait sa petite bière tranquille dans la chambre. Écoutez, on va le laisser faire. Hein. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va autoriser, non pas les plats. Objets, ressources brutes, produits manufacturés. Voilà, on va autoriser les bières ici. Ça, quand on aura des bières, en principe, ils vont les ranger dans le frigo. Bon, pas mécontent de cette colonie, même si c'est un peu difficile. Squash, est-ce que tu peux soigner Quinca Geek? Crise de boulimie pour Squash, oh là là, terrible. Bon bah toi, va soigner Quinca Geek, s'il te plaît. Infection extrême. Oh bah c'est bon. Ouf, immunité à 1%. Quinca Geek aurait pu crever là-dessus. Bah, c'est Rafty qui carry hein, pour l'instant. Regardez, il travaille tout seul au champ. Il soigne les gens. Tiens, Rafty, tu pourrais nous virer ce cobaye là. Voilà. Puis tant que tu y es, si tu pouvais le découper aussi. Alors une caravane arrive, c'est un herder. On a plus beaucoup d'argent, on a 600 balles. 640 éventuellement. D'ailleurs, peut-être te demander de transporter l'argent. On va récupérer le wake-up qui traîne. Ok, et ensuite, il est où votre chef? Oh là. Oh la vache. Ils ont des millions de poulets à vendre. Sauf que ils ont plus le chef. Il a été tué. Ce serait bien dommage. Des millions de canards et de poulets. Ça aurait été cool d'en avoir cependant. Je serais pas contre. Ah, il est là. On va aller discuter avec lui. Alors, plein de coques, plein de poules, ça coûte pas bien cher.
C'est une bonne nouvelle. Et qu'est-ce qu'on peut lui vendre? On peut lui vendre ça. La fourrure de cobaye. On peut lui filer les diamants aussi si on veut. Ça dégage. Le cuir et le cuir fin, on va garder. Les composants, on garde. Et donc ce qu'on va faire, bah, c'est prendre des poules. On va prendre 2 poules. 4 poules. On va acheter... On va acheter 2 coques. Tiens, on prend les 5 poules. Alors maintenant la question c'est où sont-elles priorisées attachées les poules. Quinca geek. Voilà, viens attacher les poules. Il faut les retrouver dans la masse. C'est bon. Je crois qu'il les a tous. Toutes. On va essayer de cliquer un peu au pif au cas où. Ah, il y en a une autre. Il y en a une autre. Elle est où? Non, ça c'est le commerce. Attendez. En pause. Non, on a peut-être tout. On a quoi là? 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, si c'est ça, 5 poules et 2 coques, tout est bon. Ça y est, les béliers, béliers brebis, ça produit encore de l'agneau en gestation, allez hop, ça traîne pas. Tiens, Kinkagi, qu'est-ce que tu voudrais pas, par exemple, équiper bois en arme secondaire, non? On ne peut pas transporter. Bon, mine de rien, la recherche avance. C'est ce qu'on demandait à Kinkagi, donc tout va très bien. On a les pondoirs ici. On va en faire quelques-uns. Pondoir en os, pourquoi pas. Allez, on va envoyer Quinca Geek, Rafty, pour fabriquer les pondoirs. Quoi? Une vague de chaleur inhabituelle a commencé. Pas fermer, finir les pondoirs, fermer. Finir les pondoirs. Histoire que nos poules puissent s'activer.
32 degrés à l'extérieur, ça y est. Commence à faire bien chaud. On va faire des refroidisseurs. Degrés à l'extérieur. Dans les chambres 30 plus 36 avec de chaleur. -44 degrés. Cadeau venant de la caravane, 178 balles, merci. Ça nous rembourse les poules qu'on vous a achetées. Tiens ma petite, tu veux pas récupérer ça? Alors, barrez-vous avec vos canards. Ceci dit, c'était bien sympa quand même. Ils ont des Uzi, des AK. Ah ça y est, le premier œuf. Des œufs non fécondés qu'on va pouvoir manger. Prioriser ville de Pondoir. Hop. Celui-là il est fécondé ou pas? Non fécondé. Tiens. Petit billard pour Rafti. Kinkagi qui fait quoi? Il fait de la recherche toujours. Petite sieste. Ici ça pionce, ici ça pionce. Voilà, bah finalement tout le monde pionce. Et sur cette petite nuit, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode en souhaitant que ça vous ait plu. On fait une petite pause du cut et on revient pour la suite.